l'arrestation, la détention de Jamil Pirani, de Nitin Chinyen, de Alain Bertrand et les autres camarades qui passent dans la même situation comme illégale et arbitraire. Et de bafouer toute la logique de mon principe démocratique. Sa dernière année là, nous trouvons qu'il y a une érosion de nos droits fondamentaux qui peut accentuer encore plus quand la police PCRC qui nous appelle charge provisoire contre un opposant pacifique du pouvoir. La charge provisoire est utilisée d'une façon irréfléchie et abusive. Et, par mon dire, mais les deux hommes de loi considèrent sa situation-là comme étant très très grave. De ce fait, l'UP annonce une action légale contre certains officiers de la justice et contre l'État pour le dédommagement de sa arrestation arbitraire et illégale de Nitin Chinyen, Jamil Pirani et Alain. Et là, j'ai envie de faire parler pour faire ressortir que chaque officier de police il a une responsabilité individuelle dans l'État de droit. Et ça, il démontrait après la Seconde Guerre mondiale dans le procès de l'officier nazi à Nuremberg. Quotidien que chaque officier de police il a une responsabilité individuelle. Donc, un officier n'est pas capable de lui dire mon réponse l'autre. L'hypocrisien répond en son nom personnel. Et c'est dans sa logique-là qu'il utilise chaque certain officier de la CIA dans un nom personnel et l'État général. La liberté de penser et d'exprimer, c'est le droit le plus fondamental qui est là pour un être humain. Sans ce droit-là, l'existence même d'un être humain qui est nul. Et moi, je suis content de terminer en faisant ressortir que le vrai patriote, c'est celui qui se bat contre son propre gouvernement dans l'intérêt public. Voilà. Merci, maître. Merci de faire comprendre qu'il faut même la suivre quand même. Parce que dans tout cas de figure, même au niveau professionnel, on fait l'erreur pour payer les conséquences, pour payer les vocations. Donc, quand un gouvernement sur la police fait le travail mal, automatiquement, il a un amende de perdition, mais il fait dans un cadre légal. Donc, comment mettre l'élection hier, pour une amende poursuite du point d'arrêt, une amende mise en demeure pour sortir, assez incessamment. C'est que je viens de dire la moustiquée, c'est que la moustiquée m'a déjà dit. Bon, mais moi, tout ça là, on commence bien longtemps. C'est qu'il y en a beaucoup qui parlent aussi qu'on prend dans une vidéo YouTube, parce qu'ils ne pas suivre chronologie. Il y avait des événements qui ont dénoncé. Et moi, mon mot remercier Ami la presse qu'il a, tout le monde qui est présent, tout le monde, madame le Bedor qui est en ville à c'est que mes affaires, quand mon tantier dans la cour qui va me sortir contre moi et qui me dit, me pose moi la question, mais qui sort s'il y en a contre moi? Et qui a fait de si grave qui me fait quand dénonce la corruption? Quand le Bécoz dénonce la corruption, le mouvement sérieux. Et moi, Libon qui m'explique un petit peu, résumé, et qui apporte sa bonne vidéo, le YouTube et Facebook, et tout ça, le message qui me donne l'ensemble avec M. Bureau. Moi, un animateur considéré vedette à la MBC, qui travaille 5h, 7h, 10h, midi, 3h, 4h, 5h, 6h, midi, à soir, 7h, 7h. Et à force, mon lancement en tant qu'artiste d'un labyrinthe artistique, je soulage les artistes, la Cour Jean-Alain, qui va le directeur. Et à chaque fois que vous avez un artiste de radio, dans mon propre émission, 12h du matin, très connu de tout le monde, et l'ancien indien, et à chaque fois qu'un artiste fait une problème qui n'aime, surmédiatisation et monopolisation de quelques artistes est protégé par l'État. Et finalement, en tant qu'un journaliste artistique et animateur à la radio,
On a mené une petite enquête, comme on a découvert un gros fraude qui déroulait, même dans la radio et le privé, même à la MBC, et il y a pas mal de fraude qui fait consciemment. Il dit avoir beaucoup de parler à des appels confidentiels, indirects et indirects. Et comme on a mis ça à l'intérieur, arrive un moment, et quand on a dit à la directrice de la MBC, qu'il y avait un problème à la MBC, et on m'a mis à la porte également, sans être payé, moi c'est en service, on m'a payé, il n'y a pas respecté, il n'y a pas de l'humanitaire. Ok. Et alors, moi, on me décide pour continuer mon avis, et avec tout mal fait autiste, pour que tout autiste, malgré la sport, créole, sinon, à télégou, maraté, ou israté, je ne peux gagner même droit pareil, gagner même temps d'antenne pareil, dans la nature, globalement, c'est écrit, dans la nature, on s'est organisé, bon ministère, tout ça. Et les bambins, ça a dit là, que tu as remarqué qu'il y a un autiste qui concernait directement dans cette mauvaise dénoncée, et que l'État, qui se donne ensemble, pour faire une machination légitime. Arrivé le moment, quand je commence à poser la question, est-ce que c'est un avis assez probable? Les artistes, au sens où vous amène deux avis, un pour moi personnellement, les systèmes passés dans mon lieu de travail, le MBC, et aussi dénonce la corruption de domaine artistique. Voilà, que tout vient à sa vidéo, que mon moment n'est pas dérangé, et mon papa dit à la presse écrite. C'est pas pour voir si vous le montrez là qui m'a dit. Vous n'avez pas tonne de documents. Pas tonne de documents qui t'apparent sous la zone là qu'il tire. Et Léon Fille fermé, le mot pour nous enregistrer là, quand on a dit maman, comment aussi, avec moi, illégalement, tout ça. Et quand Léon Fille fermé, un dîme qui me tient content, remercie. Bien rare dans l'homme dans les médias, merci, un nouveau ministre, c'est M. Thuny. Et quand M. Thuny dit, il finit pris en otage pour ça un autiste. Beaucoup m'ont fait 16 mois, c'est inconscient, petit moins de conseiller en agriculture qui se fait retenir comme ministre, pour dénoncer la maladie dans le ministère. Et quand il est pris en otage, là, moi aussi, j'ai venu à l'aura de plus pour dire qu'ils m'ont envie de ministre. Et nous fait 2 semaines de travail avec 4 conseillers et le ministre Thuny. Et quand je me dis, détruis le document qui m'a dit, et même conseil de ce ministère, même, elle m'a confié un tiré qui est autiste et ce conseiller-là. Et là, à partir de là, je me sentis une autre opinion qui commence à fabriquer, au moins, une conscience qui m'a pas interrogé. Je suis un autiste, moi, un animateur, moi, un homme qui reste souriant toute la journée. Tout du monde, mon vrai énergie, c'est là de me trouver, mon vrai en place, mon vrai énergie. Mais mon pas interrogé, c'est pas l'ennemi, mais par contre, pièce la vie aux femmes, la vie aux enfants, et nous la vie, à cause de la vie artistique, à cause de la vérité, à cause de la corruption, il va en faire ou pas, à cause de l'envie causée avec beaucoup de conviction, mais pas la rage. C'est pas une menace. Et les petites affaires, on a dit arrête le premier ministre. Vous pensez chaque citoyen à sa voix-là, donc tout le ministre, et qui ce premier ministre, ce président, ce district en Dieu, c'est qui tout ça pense pour la vie classique. Et arrête un transport, un dimoun concerné, et remet bien le document de la corruption du numéro chef du compte d'enquête, tout à fait. Est-ce qu'il s'est c'est un acte terrorisme? La question se pose. Hein? À ce là quand il arrête moi, me soutiens bien préparé légalement, parce que je n'ai pas vraiment les doigts dans ma vidéo, dans une information. Mais même l'artiste qui l'a déposé dans le casier, je ne vais pas déposer moi, parce qu'on va dire qu'il y a une bande d'ennemis, c'est mieux, je ne sais pas confirmer ça, l'artiste. Et quand je suis arrêté, j'étais surpris. C'était une caserne centrale qui me déplaçait par un petit bout, 49 kilos. Un caserne. Et je parle de ce gain, moi, j'ai jamais besoin de gain. Moi, c'était un traitement terroriste. Et il y a une bodyguard, une sécurité, une homme armée, dans la police qui vont nous aider de la paix. J'ai vu qu'on dit mes 15%, que parlez-moi pour me dire sa corruption. Et qui fait, vous considérez comme un dieu, c'est une parenthèse, qui fait moi je suis le premier ministre. C'est parce que le ministre de la justice, tu es un petit peu sourd quand il s'agit de ce rapport. Ministre du travail, tu es bien sourd quand il s'agit de ce rapport. Mais qui gagne ce jour et non, en tant qu'un citoyen, en tant qu'un travailleur, en tant qu'un patriote, qui s'en a ce rapport pour vous a tapé pour sa dernière lettre? C'est la pour le premier ministre. Moi, je ne demande pas patience pendant un an et demi, moi, je tape ce rapport dans le temps. Un an et demi. Ce secrétaire Charlène, qui me prend ce nom, va pas confirmer. Pendant un an et demi. Quand je vais faire l'année, mais qui sait dit mauvais 15% derrière, moi, un citoyen, il y a un premier ministre qui va être fonctionné, ils sont carrément dans le domaine artistique, hors culturel en Maurice. Oui, il y a des zones avec moi, comme un terroriste,
Et nous réaliser ce moment-là, qui est une pression psychologique qui fait impose le anti-moon pour qu'il reste tranquille. Et moi, en ce moment, je suis mauvais tranquille. Et ce qui, parce qu'il dans la loi, met sous correction, monsieur mon ami, et c'est qu'il dans la loi, quand vous venez du travail, vous trouvez la corruption, vous pas dénoncez, c'est une offense. Et moi, je dénonce la corruption et me met à la porte de l'AMBC illégalement, sans être payé, pour mon temps service. Et si vous supposez dénoncer, on va dénoncer. Là, ok. Les dernières réponses, moi, la phrase, mais jour, tu vas me la faire là, c'est un traumatisme énorme. Mais tout le monde est dans la case, des rails, pieds et tout. Pourquoi tu dis, oui, on a un cas caché de discipline. Même petit cigarette et des houleurs. Tout propre. Moi, une jeune qui compte dans la culture, compte dans la musique, compte dans les artistes, qui fait énormément. 2719 artistes invités en 7 ans qui vont travailler à l'AMBC. Personne n'a fait la Maurice. C'est pas pour me flatter, mais j'ai travaillé. Mais je peux faire tout ça là. Et quand on commence à considérer vous comme un terroriste, et quand on met tout dans la carapace, on retrouve où renfermé, et où liberté renfermée, tout renfermé, mais pour qui raison? Parce qu'il peut être moins un problème pour l'État, quand on dénonce la corruption, parce que ça va diminuer comme dénoncer, c'est d'être protégé par l'État. Et ce qui est plus de lui, après 8 jours à la carapace, une équipe vient prendre moi.